Toumba, oui, maintenant je pense que c'était Asana ou Asana. J'ai porté mes lunettes. Ah, tu ne m'as pas invité. Donc, en plus, Cancan, c'est très loin. Cancan, c'est pas la porte à côté. La prochaine fois, Inch'Allah. Donc, le frère qui vient d'appeler là, bon, son numéro, en tout cas, c'est un numéro de France. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, moi, je pense que c'est pas ça exactement, hein. Mais il dit que ça a une connotation ethnique, que nos frères de la forêt disent que Toumba c'est un menteur, il n'a pas raison, donc d'arrêter ça. Parce que sinon, Toumba aussi, sa communauté, je pense qu'il vient de deux, ses deux parents sont de deux ethnies différentes, ils vont se braquer aussi. Mais il faut éviter les braquages, se braquer comme ça. C'est ce que je disais la fois dernière. L'autre a pris la part de son parent, je vais prendre la part de mon parent. L'un a pris la part de son ethnie, je vais prendre la part de mon ethnie. Ça, c'est une très, très mauvaise idée. Il ne faut même pas rentrer dans ce jeu-là. Si il a certains parents de la forêt qui veulent soutenir leurs parents, qui est normalement le parent de tout le monde en Guinée, parce que c'est un ancien président, en tout cas, moi, je dis ça, il a gouverné, même si c'est 2 jours, il a quand même gouverné ce pays-là. Voilà. S'il nous a gouvernés, c'est parce qu'on le méritait. Voilà. Le temps qu'il méritait, c'est le temps-là que lui aussi, il a eu, même si ça s'est mal terminé. Donc, le fait de vouloir aller dans un sens parce que c'est ton parent ou c'est je ne sais même pas quoi, ça n'a jamais rien apporté à personne. Et ça n'apportera rien à qui que ce soit. Ce n'est pas tous les forestiers qui sont comme ça, ce n'est pas tous les soussous qui sont comme ça, ce n'est pas tous les kissis, ce n'est pas tous les malékés, ce n'est pas tous les peuls qui sont comme ça. Je l'ai dit la fois dernière, il y a toujours un petit noyau quand même qui est sain, même si la majorité des gens sont dans le truc communautaire, c'est triste, ça se sent. Lui, il a remarqué ce côté-là, moi aussi je l'ai remarqué, mais il y a des gens aussi qui soutiennent Toumba, il faut se dire la vérité, par affinité religieuse, par, comment on appelle ça, solidarité religieuse et musulmane. Il y a ce côté-là, il faut le signaler aussi. C'est pas parce que... Moi, je suis très, très côté religieux, mais ça ne veut pas dire qu'il a raison, ça ne veut pas non plus dire qu'il a tort. Mais le monsieur qui vient d'intervenir, s'il me regarde, et les gens qui pensent comme lui, à peu près, il faudrait qu'on comprenne une chose. Le fait que monsieur Dadis soit venu de lui-même, les gens pensaient tout de suite, tout le monde pense tout de suite, que forcément, il a raison tout de suite, quoi. Dès qu'il va venir, on va condamner Toumba ou Toumba n'aura pas à se défendre, il n'aura rien à dire. Ça, c'est mal connaître la justice des hommes. Je l'ai souvent expliqué ici. Ceux qui crient toujours justice, 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 quand tu vas aller au tribunal, tu peux aller au tribunal en tant que coupable, tu ressors de là-bas en tant que victime et vice-versa. Ça, c'est la justice des hommes. Ça dépend des avocats, ça dépend de tous les facteurs. C'est pas une justice divine, non, non, non. Ça, c'est pas Dieu, c'est pas Allah. C'est entre les hommes là-bas. C'est les robes rouges, noires là, entre eux et leurs coupables et leurs victimes. Et les nous autres qui parlons n'importe comment, on ne sait pas qui a tort, qui a raison. C'est ce que je veux vous dire. C'est très, très grave, dès le départ là, de commencer à faire des partis pris des deux côtés. C'est pas seulement le côté de la forêt. Les deux côtés. Les Guinéens aiment ça. Nous aimons cela. C'est ça la réalité. Il faut qu'on le dise. Et même si les frères de la forêt soutiennent le président Dadis jusqu'à je ne sais pas quoi. S'il n'a pas raison devant Allah, il pourra avoir raison devant les hommes, mais ça ne veut rien dire. Tôt ou tard, ce qui se passe aujourd'hui, dans 10, 15, 20 ans, la vérité va sortir. Ou dans 50 ans. Aujourd'hui, rien n'est caché. Malheureusement, rien n'est caché. Nous sommes en train de voir des images de combien d'années aujourd'hui. Qui aurait cru? Quand ça se passait au moment-là, vous pensez que ceux-là pensaient qu'il y aurait une Marie Sissoko qui allait être assise ici en train de raconter ses mensonges? Non, ils ne pensaient pas cela. Ils n'imaginaient même pas qu'on allait se servir de ça. Il y a des gens même qui n'ont même pas imaginé que le 28 septembre là aura lieu, que ça aura lieu en direct. Il y a des gens qui n'ont même pas imaginé ça. Mais aujourd'hui, ça est en train de se passer. C'est-à-dire nous sommes en train de vivre, c'est une première pour nous. Ça va pas être propre, ça va pas être clean, ça va pas être sans faille, parce que c'est une première, on ne connaît pas ça. C'est un peu compliqué pour nous, c'est une nouveauté, tout le monde est braqué sur ça, tout le monde se dit, c'est-à-dire il faut laisser les deux côtés parler, tout le monde va parler et tout, chacun va se défendre. C'est comme ça, c'est même pas seulement le tribunal. moi-même, quand vous allez m'accuser, je vais vous défendre. Si je vous accuse, vous allez vous défendre. Ça ne veut pas dire que j'ai raison ou que vous avez raison. Mais chacun de nous va vouloir avoir raison. Maintenant, ceux qui sont là à nous observer, vont observer les petits micmacs, les petites choses, pour se positionner, pour dire ce que eux ils pensent selon leur mental, selon leur niveau mental, selon leur niveau d'analyse, selon leur niveau de compréhension. Chacun analyse selon sa compréhension, à part ceux qui copient les autres, hein, parce qu'il y a des gens, comme là, moi je dis ça, après ils vont aller faire leur vidéo, copier-coller, comme ce que j'ai dit exactement. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas de mérite, il y a des gens qui n'ont pas d'idée. Voilà. Bonsoir, Bouba Nasri, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Souleymane, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Vous voyez? Donc, c'est selon le niveau de compréhension de tout un chacun. Il ne faut pas faire d'amalgame. Ça va passer. Monsieur Dadis a régné. Il est parti. Peut-être, sauf Allah, si c'est son destin, il reviendra au pouvoir. Si c'est son destin. Mais il n'a qu'à d'abord sortir de ça d'abord. Ça veut dire que tout ça, là, rien ne va demeurer. Tout va partir. La phase que nous sommes là, l'affaire de procès là, ça aussi ça va finir, Inch'Allah. Ça va partir. Mais la Guinée va rester. Les Guinéens vont rester. En tout cas, humainement. Et religieusement, chacun va rester dans sa religion. Maintenant, on va se dire quoi encore? Ah, la Guinée est une famille. On va se pardonner. Une famille avoir de composition, une famille d'hypocrites et de lâches. Ça ne peut pas aller comme ça. Il faut essayer d'être sur une ligne droite. Même si ce n'est pas très très droit. Il faut essayer. Sortons de ce débat communautaire là. Ça n'a jamais rien apporté à personne. Si ça devait apporter quelque chose, voilà. Moi d'ailleurs, vous savez, moi toujours les côtés qui m'intéressent, ce n'est pas ceux qui intéressent la plupart des gens. Le côté religieux, la spirituelle, ça m'intéresse parce que vous savez, spirituel, là, je parle de ça régulièrement. Cela m'intéresse. Cette histoire ethnique-là, cela aussi m'intéresse énormément. Nous voyons, quand on cite les noms, quand M. Toumba, c'est selon lui, hein, selon son truc, quand lui parle, il cite beaucoup de noms de la forêt autour du président Dadis. Ça, c'est grave. Ça a réussi à sauver son pouvoir. Non. Il est là où il est aujourd'hui. C'est la faute à Toumba. C'est la faute à ses parents de la forêt. C'est la faute à Paul ou à Pierre. Là n'est pas la question. Mais le fait de s'entourer de sa communauté ne peut pas te sauver. Monsieur Alpha Condé, qui l'a enlevé? Hein? Eh bien voilà. Ça, ce qui se passe aujourd'hui, moi, les points que je vois là, la plupart des gens sont en train de... Bon, l'homme de Badiar, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Barry et Badimba, bonsoir, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, mon frère. Vous voyez? Donc, ce côté-là, ce sont les côtés-là, moi, qui m'intéressent. Mais la plupart des gens, c'est qui a raison, qui a tort. Mais il faut voir le contenu de la chose qui peut nous apporter, qui peut apporter au pays, qui peut apporter à ceux qui sont en train de gouverner aujourd'hui, qui peut apporter à nous qui sommes gouvernés, qui peut apporter à ceux qui sont appelés à gouverner demain, que l'affaire de communauté, là, ça met les gens dans les problèmes. Je l'ai dit ici, je ne sais pas combien de fois. Je ne sais même pas, ma chérie, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, ma soeur. Je ne sais pas combien de fois c'est devenu récitation. Ta communauté ne t'enlèvera jamais dans les problèmes. Celui qui fait ça, c'est un rêve satanique. Wallahi, n'importe quelle communauté tu montes, tu fais monter, tu approches un petit groupe. Tout le monde l'a fait. Tu approches un petit groupe, vous faites votre affaire et puis c'est tout. Maintenant, ce petit groupe-là va salir les autres. Moi, c'est ça que je remarque. Quand on voit aujourd'hui, la plupart des noms qui sont cités, selon Toumba, d'abord, je précise, voilà, la plupart des noms qu'il cite, c'est les noms de la forêt. On a l'impression qui s'est retrouvé dans un complot. Allah seul sait la vérité et la finalité. Moi, je ne sais pas qui a raison. Je ne sais pas si Toumba a raison, bah, si il ment, bah, si les autres ont raison, bah, si il mentent. Bah. Mais vu la composition ethnique et la situation que lui, il est en train de décrire, pour l'instant, nous avons l'impression, ou ça donne l'impression qu'il s'est retrouvé dans une embuscade ethnique. Je ne vais pas te dire ça. Faut que tu m'appelles, après je te dis Inch'Allah. Donc, c'est cette impression qu'on a. Mais, il ne faut pas se précipiter ou se jeter sur ça. Non, non, non. Ça peut être vrai. Ça peut être faux aussi. Parce qu'il se défend. Et il a raison de se défendre. Voilà. Chacun se défend. Les autres vont se défendre aussi. Mais quoi qu'il en soit, beaucoup de noms de la forêt reviennent. Et comme je le dis, j'insiste dessus. Ça n'a pas sauvé M. Dadis. Et ça là, ça donne une mauvaise image de cette communauté. Mais peut-être que c'est faux. Peut-être que c'est archi faux. Mais peut-être aussi que c'est vrai. C'est le numéro qui est affiché là. Attends. 0033 627 85 89 96. Tu vas dans le titre ou sur la page. Pour ceux qui veulent intervenir, parce que c'est quand on n'intervient pas que vous voulez intervenir ou que vous écrivez dans les WhatsApp et tout. C'est le 06 27 85 89 96. 06 27 85 89 96. Pour ceux qui sont en France, en appel normal ou en WhatsApp. Je pense que ma soeur, toi, tu es aux États-Unis, hein, tu mettras le 0033 6 27 85 89 96. C'est bien dommage et c'est très, 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 très triste, vraiment très triste. On se rend compte que quand une personne est au pouvoir, il s'entoure des gens de sa communauté. Ça ne fait pas qu'il gouverne bien, déjà. Parce que si ces gens-là, tous qui ont gouverné ce pays-là, s'ils gouvernaient bien, on l'aurait su. Pour l'instant, ils se ressemblent tous à peu près. On dirait que c'est des jumeaux. Voilà. Allô. Allô. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tana yomuna. Demba yako, tana yomuna. Aouz billahi mina shaitani rajim, bismillahi rahmani rajim. Bonga shaitani. Allô? Tane kerisinde. Awa. Onfa, oma. Allô? Allô, Bakar? Allô? Non, on a quitté on a peut-être vous déplacez ma nère. Allô, l'air de Naki, allez, ma colonne. Allô, l'air de Naki. Incoming call. Incoming call. Allô? Oui, non, peut-être Azali, on numérait mon bord comprendre mais on a déplacé, on numérait au bord comprendre. Alors qu'on a vidéo temps, à la PC, la Guinée qui attend Yati Ora, Wallahi, PC, Alana Anondi, Alana Ramalé, Anon, Mirena Ramalé, Kiremara. Alabara bon fio malako ano non dinde masende wala gine kande ya arabi nereti tambara folo mine ya arabi de ala anasenda fio matuzu na mfandangi fio ngwanyi alo na proze fe wallahi tumba na non dinde falafe tuzu ala non de mali mais on man na mfala matuzu ala ya raha reviso to ya no porteze de c'est vraiment pour des cas de mounier. Attends, à Birim Falama, Emma Lumade, Nathan Erano a contrôlé d'affaires. Emma contrôlé dans Wallahi, Birim Nafantomana Yara. Ala yoka fui ratanga madena ara gerege. Hamura gerege fui abirin ganmane. Ka. Awa wende na na On a contrôlé ma à la fin, alors que gouvernement est tous les coups. Et Rawale, et Moutumba a gardé qui m'a non à la taille, mais n'a pas anon ala wontanganama birin kere mara ala harali na anfi woma bombe birin nara me birin kere mara ala wondane eyo birin kere mara non dina nake alo non dinu wule fantomu findere kere na ala wondane kete ma me amona langai natan me bore na rantoma bore Moussa Datoma mais toujours là c'est un fio ma on a projet na dangi de kiana sanke problème mo dangi mais on a to kiana tan Toumba na non de falafi ala na non de continuer toujours on a ora bolo ala sinu santé afio ma mara nki fa ala afio ma ala otanga ya wo balé ma mari ki hormera force à vous. Amina, merci beaucoup. Alors Oumbi. OK, merci. Merci. Amina, amina, amina. Ciao. Ah ouais, donc, pas de matin, aujourd'hui, c'est pas bon, rien. On va bricoler comme ça un peu. On va pas rester longtemps. Parce que là, ça nous laisse même pas l'occasion de rester longtemps. Celui qui m'appelait là. Cousin, il anglais fait normalement. Ça veut dire que m'a dit WhatsApp, vous mal bien. Natongo, à finir ma scène d'un an. Ça veut dire que m'a bien briqué. Donc, celui qui vient d'intervenir en Soussou là, il dit que Toumba dit certaines vérités. Il a besoin de protection, d'attirer l'attention du gouvernement du sud de l'État guinéen sur la protection de Toumba parce que tout le monde n'est pas pareil. Voilà. Donc, je pense que pour ça aussi, il a raison. Et moi, je me dis qu'ils vont le protéger, Inch'Allah. Je me dis, hein. Après, bon, il dit certaines vérités. Certes, ça, c'est une vérité qu'il dit certaines vérités. Certes, chacun lui dit sa vérité. Et puis, on verra plus tard, Inch'Allah. Incoming call. Allô? Allô? On a dit la ténèbre, on a coupé. Non, j'aimerais intervenir quoi. Eh, ah ouais, il faut intervenir. Comme c'est pas en fait, je voulais juste amender un peu l'idée que le monsieur il vient de dire concernant la sécurité de Toumba. Moi, je dis à monsieur le président de la Cour. De veiller très bien sur la sécurité vitale de Toumba surtout. Et le deuxième point, c'est de faire venir toute personne qui soit proche du pouvoir ou pas, qui est concernée dans cette affaire de 27 ans. Il faut que la personne soit présente au niveau du tribunal, devant tous les Guinéens. Il faut que cette personne vienne dire sa version des faits. Le troisième point, c'est de dire à ses avocats bidon, c'est comme ça je vais dire, qu'on est là pour un projet. Et pour un projet, c'est pas pour connaître qui est la maman de Toumba, elle est de quelle ethnie, est-ce qu'elle est pile, est-ce qu'elle est chouchou, est-ce qu'elle est forestière, est-ce qu'elle est malinquée. Nous, on s'en fout de ça. Nous, la seule chose qu'on veut connaître, la vérité. Toumba, il est guinéen, ses parents sont guinéens. Qu'elle soit de la haute Guinée, de la basse Guinée, de la moyenne Guinée, de la Guinée forestière, c'est pas ce qui nous intéresse. La seule chose qui nous intéresse, l'essentiel, est qu'ils sont tous des Guinéens. Voilà, il faut qu'ils veillent bien et regardent bien les questions qu'ils doivent poser. Il ne faut pas qu'ils prennent les Guinéens comme des idiots. La Guinée d'avant et celle d'aujourd'hui ne sont pas pareilles. S'ils sont là, jouer avec la langue des Molières, des trucs comme ça, pour se faire voir, ou bien pour montrer aux gens peut-être qu'ils aussi sont allés à l'école, il faut qu'ils mettent en tête qu'ils sont tous des fruits des petites universités du monde. Ce que tu connais, il y a des gens qui ne parlent pas, qui ne se montrent même pas au monde entier, mais qui connaissent mieux que eux. Donc, il faut qu'ils recadrent leurs questions. La question, le procès qui est là a bien un sujet. Donc, les questions doivent être orientées vers ce sujet-là. C'est tout ce que moi, j'avais à dire. Quoi. Ah oui, merci beaucoup. Alors, merci. Donc, voilà un autre. Bon. Souvent, tout le monde comprend français. Je pense que vous avez compris ce qu'il a dit. Lui aussi parle de la sécurité, le côté ethnique. Et puis, que toutes les personnes qui sont citées ou qui sont... je ne sais pas s'ils sont cités. Toutes les personnes qui sont accusées dans cette affaire, même s'ils sont dans le gouvernement aujourd'hui, qu'ils doivent comparaître, qu'ils doivent venir s'expliquer. Donc, quelque chose de ce genre. Chacun a... sa raison, ses façons de voir les choses. Je pense que chacun donne son point de vue et nous sommes tous différents. Mais pour l'instant, tout le monde va du côté de Toumba. Moi, je précise, hein, je ne soutiens pas Toumba. Hein. Je ne soutiens personne. Voilà. Personne, personne. Et j'insiste là-dessus, ceux qui partent dans le côté communautaire et ethnique, là, ça ne va aider personne. Ça n'aidera personne parmi eux. Ça va créer d'autres problèmes. Et leur affaire là va se terminer, le procès là va se terminer. Vous allez avoir encore honte entre vous. Parce que vous, vous allez rester. Vous, vous êtes dans le même quartier, vous êtes des connaissances, vous êtes des amis ou vous êtes au même boulot. Parce que la Guinée, c'est toujours comme ça. Quand il y a un problème, les gens se divisent côté communautaire. Quand le problème est fini, ah, la Guinée est une famille. Vous savez, on doit s'entendre. Mais c'est pendant que l'affaire se passe, comme maintenant là. C'est maintenant là que vous devez faire la part des choses parce que c'est une vieille histoire. Le plus important aujourd'hui, c'est surtout pour les familles de victimes et pour les victimes. Ça les soulage de connaître la vérité. Ça les soulage de voir qu'il y a une justice, la justice des hommes. Ça les soulage de voir que ces gens-là sont vivants aujourd'hui. Ils sont en train de parler. Allah seul connaît la vérité. Parce que même si, comme par rapport, il y a combien de versions, Thiégboro, c'est moi qui ai sauvé les leaders politiques, Toumba, c'est moi qui les ai sauvés, machin, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. On ne sait pas qui l'a fait. Voilà, les leaders politiques disent autre chose. C'est-à-dire, Allah seul sait la vérité, ça sera comme ça. Maintenant, certaines personnes doivent comprendre une chose. Dans ce brouhaha-là, chacun se cherche, s'attire, ça massacre à gauche, à droite. Et on peut reconnaître les gens, mais pas forcément aussi. Voilà. La circonstance dans laquelle on se trouve, je pense que tu es en train de chercher ta tête. Hein. Tu n'es pas là forcément se dire est-ce que c'est Toumba, est-ce que c'est Kieboro, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. Mais peut-être qu'aujourd'hui, quand les leaders vont s'asseoir, j'en sais rien. Hein. Quand ils vont s'asseoir, ils vont peut-être commencer à réfléchir parce que l'image qu'on avait de Toumba avant, on n'a plus cette image aujourd'hui. Parce que c'est ce que je vous dis. Le Guinéen, dès qu'on n'est pas habitué à tout ce qu'on voit là. Ah, c'est un tel qui a tué. Il faut le prendre, il faut le mettre dedans. Il n'a pas le droit de se défendre. Est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes? Est-ce que c'est en légitime défense? Est-ce que c'est comme ça? C'est le truc des hommes de droit, ça. Nous, on se jette dessus tout de suite. C'est ce que je dis. C'est peut-être cet effet de surprise qui fait que la communauté de M. Dadis se sent est surprise, je me dis, est surprise. Ils se disent, ah, peut-être qu'il n'allait pas y avoir tout ça. Déjà, il allait avoir des circonstances atténuantes. On allait peut-être le traiter comme un ancien président. Il allait avoir sa petite résidence surveillée. Bon, tout ça là, ça casse le truc. Ça casse l'ambiance, ça casse le truc. Donc, voilà, c'est un peu, je pense que ça, c'est un peu déstabilisant. Parce que moi, personnellement, j'ai pas aimé ça. Je suis pas de sa communauté, mais j'ai pas aimé qu'on aille le paquet avec les autres prisonniers. Ça, par exemple, j'ai pas du tout apprécié. Et il n'est pas trop tard. Il faut que l'État guinéen comprenne une chose. Il faut que les gens, ceux qui dirigent, comprennent une chose. Déjà, vos histoires se ressemblent un peu, vous qui êtes là aujourd'hui. Un peu quand même. Pas tout à fait, mais un peu quand même. Vous pourriez être à leur place demain. Voilà. Donc, moi, à votre place, il n'est pas trop tard. Mais quand vous faites tout à votre tête là, qui vous plaît, c'est ce que vous êtes têtu, vous êtes des bornés. Parce que vous êtes plus bornés que le mot borné. Normalement, jusqu'à même aujourd'hui, Dadis devait être dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, on aurait eu une autre image de ce procès. Mais là, la tournure que ça prend, qu'il vienne se retrouver paquet avec les autres prisonniers, tandis qu'à Ouaga, il était bien traité, il était mieux traité. Ça, ça donne une autre image de votre gouvernance. Et quel que soit l'aboutissement du procès, ça donne une autre image. Moi, je ne sais pas qui vous conseille, vous. CNRD, là. Je ne sais pas c'est qui vous conseillez. Parce que même quand on est bête, même quand on boit l'eau avec son nez, il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, même s'il est coupable, vous arrangez le côté là déjà. Voilà, il aide. C'est-à-dire, c'est ce que les gens disent des régimes malinqués. Oui, je ne comprends même pas les gens là comment ils gouvernent. Parce que je n'ai pas compris la partie là. pression. Les Kassory sont en prison, les Damaro sont en prison, les Kassory sont en prison, les Yanné sont en prison, Dadis se retrouve en prison. Ça fait beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. C'est beaucoup. Et vous êtes impopulaire comme pas possible. Mais je ne sais pas si vous avez recruté des gens qui apportent la poisse ou si vous vous êtes associé à des poisseux, mais vous êtes impopulaire. Je vous ai dit ici, je profite de cette occasion. Je dis, c'est Allah qui vous a donné le pouvoir, c'est CNRD. Nous, on n'a pas voté pour vous. Même si on vous a fait appel inconsciemment et spirituellement, Allah seul sait, le Amina lui qui a appris. C'est Allah qui sait ça, moi je ne sais pas. Mais je sais une chose, le Amina de celui qui a appris là n'est pas avec vous. Ça au moins je suis sûre de ça. Parce que sinon les bêtises que vous faites là, vous n'allez pas faire ça. Ça, ça gâche vos trucs. C'est-à-dire, on dirait qu'il y a quelqu'un dans ce groupe-là ou il y a des conseillers dans ce groupe qui ont un truc pour que les gens les détestent, quoi. Je ne sais pas si c'est vos sacrifices-là qui font que les gens vous détestent. Je ne comprends même pas. Ça, ça m'a scotché. J'ai dit, mais qui peut réagir, quoi? Quel est l'être humain qui peut faire ça? Toi-même, tu es venu par les armes. Tu ne te dis pas que demain, c'est possible que tu te retrouves dans la même situation que le monsieur. Et que ce que tu lui fais aujourd'hui, là, demain, en bon ou en positif ou en négatif, quelqu'un d'autre va dire que, ah, vous savez ici, quand Dadis est venu, quand on le jugeait, il a eu, il était dans une villa, il était bien tenu, traité. Le monsieur doit être bien traité, moi. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont nuls en politique, mais nuls. Vous êtes nuls en politique, c'est CNRD. Vous n'êtes pas des politiciens, mais vous avez des cerveaux. Vous avez, ben, j'espère et je suppose. Hein, c'est pas bon du tout. Ça, c'est pas bon. Si vous mettez à jouer au gros malinqué, ah, c'est ce problème ethnique là qui fatigue tous les Guinéens. Les quelques malinqués ou les malinqués qui sont autour du colonel Mamadi Doumbouya, ah, nous les malinqués là, c'est comme ça. On vous a vu hein, au temps d'Alpha Condé. On a vu la fin. Carrefour Bambeto. On a vu la fin. Hein, et on voit. Votre cote de popularité, elle est à zéro. Quand je dis zéro, s'il y a un chiffre en bas de zéro, ça risque d'aller là-bas. Parce que vous prenez des décisions impopulaires, mais incroyablement incroyables. Mais l'orgueil, ma chérie, l'orgueil te met dans les problèmes. Regardez Toumba, avec 2, 3 sourates ou versets ou hadiths, en tout cas il s'est débrouillé islamiquement. Regardez. Regardez sa popularité aujourd'hui. Juste ça. Et j'ai dit ici combien de fois? J'ai dit, Allah vous a donné le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait pour lui? Moi, je ne suis pas joueuse de gori. Je ne suis pas marabout. Je ne suis pas érudit. Je ne suis pas karamoko. Je ne suis pas wadiou. Je ne suis pas famille de marabout, ni de karamoko, ni de... Mais quand je te dis un truc, on va tourner. Entre 70 et 80%, tu vas voir. Oui, parce que je suis quelqu'un de réaliste. Et j'ai un avenir, j'ai un domaine. Mon domaine là, c'est ça qui m'inquiète. Le aujourd'hui de quelqu'un ne va pas gâter mon domaine. Là. Voilà un exemple que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Qu'est-ce que vous avez fait pour Allah? Faites quelque chose. La situation dans laquelle vous vous trouvez là, il faut prendre des décisions dans le sens, certaines décisions dans le sens islamique. J'ai parlé des faux cheveux. Kagame l'a fait. Les produits éclaircissants. Je vous dis, Kagame l'a fait. Il faut interdire. Débarrassez-vous des ordures. Fermez certains endroits. Il faut cadrer ces histoires de boîtes-là. Le bruit, la nuit, les musiques, n'importe comment. Il faut cadrer. C'est beaucoup de choses de ce genre. Vous ne l'avez pas fait. Mais voilà, Toumba. Quand Allah te donne la force, ce n'est pas l'être humain qui te donne ça. Tu fais quelque chose, il pique les êtres humains. Vous pensez que les décisions que je suis en train de dire là, ça n'allait pas faire monter votre cote de popularité. Parce que vous avez beaucoup de produits ça, et c'est vos copines ou je ne sais même pas c'est quoi, parce que c'est ça la Guinée. Qu'est-ce que c'est ça qui va vous amener quelque part? Ah là, vous avez touché à des femmes qui vous mettent la poisse. Moi je ne sais pas où vous avez mis votre tête. Mais votre cote de popularité, il faut vous débrouiller. Hein. Vous avez vu, voilà Toumba. Toumba qui était l'homme le plus décrié de l'histoire de la Guinée, qui était catalogué le plus grand criminel de la Guinée. Regardez-le aujourd'hui. On n'a même pas, certains le défendent aujourd'hui, on n'a même pas imaginé que ceux-là pouvaient défendre Toumba. C'est Allah qui est en train de montrer sa force à vous, CNRD. Oui, à Mamadi Doumbouya, que c'est moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je t'ai donné le pouvoir. Tu n'es pas un envoyé de Dieu. Il t'a donné le pouvoir pour montrer à ceux qui sont en train de s'entretuer que lui peut donner le pouvoir à quelqu'un une seule journée. Mais toi, tu as fait quoi pour lui? Allah ne mange pas des bœufs, il ne mange pas des moutons. Il veut les bonnes œuvres. Il veut montrer aux démocrates que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas avec une base islamique. Ils servent le démon. Je vais amener quelqu'un qui n'a pas de base islamique, mais qui peut faire des choses que moi, Allah, j'aime. Je l'ai dit sous toutes les formes. Voilà Toumba. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Je n'ai pas été le voir. Je n'ai pas cherché à le voir. Il parle de spiritualité. Il s'est basé sur l'islam. Il dit vrai bas. Il dit faux bas. Peu importe. Mais ça, c'est terre à terre. Tout le monde a vu ça. Il est en train de fasciner tout le monde. Pendant que Mamadi Doumbouya, toi, tu t'enfonces tous les jours. Tu es dans un trou, tu cries, personne ne t'entend. Appelle ton créateur. C'est lui qui t'a donné le pouvoir, il viendra. Mais si tout ce que lui n'aime pas, toi, c'est ce que toi tu fais. Tu as vu Toumba, comment il a parlé de spiritualité? Que c'est lui qui a donné le pouvoir à Dadis, spirituellement. Je t'ai dit ici que ton pouvoir vient de Folikè. Je l'ai dit oui ou non? Il faut t'asseoir et réfléchir. Tes marabouts vos marabouts ne vous ont pas dit ça. C'est-à-dire, c'est ça le problème, c'est que j'ai dit. J'ai dit, mais les marabouts là, pourquoi ils ne conseillent pas les gens dans le sens de dire il faut prier, il faut prendre les décisions que Allah aime? C'est compliqué. C'est compliqué, les décisions que Allah aime. Ah, mais regardez Toumba. Il a dit, c'est-à-dire, on l'aime pourquoi même? Mais Toumba, c'est un criminel. Quoi qu'il en soit, il a failli tuer quelqu'un. En tout cas, il a tiré sur le président Dadis. Ça au moins, tentative de meurtre ou d'assassinat, peu importe, il a failli le tuer quand même. Les autres affaires là, Makamo aussi, il paraît que c'est lui. Les autres affaires là, c'est Allah qui sait. Mais on l'aime. Toi, tu es venu nous enlever dans les problèmes. Colonel Mamadi Doumbouya, tu nous as enlevés là où tu nous as enlevés. Mais tu es impopulaire comme pas possible. Pourquoi, mon frère? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Tu as touché à quoi? Hey, les sabres là, les canaris là, c'est faux. Tous ceux qui sont en prison là, ils ont leurs sabres, mais tu les as mis en prison. Ou bien? Ils ont des chevaux, ils ont des ci, ils ont des ça. Ça ne les a pas sauvés, c'est toi que ça va sauver. Non, je l'ai dit ici, je dis il y a des décisions qu'aucun président de la Guinée n'a jamais prises. Prends ces décisions-là. Tu vas avoir entre 3 et 6 mois. Ça, c'est pas à faire des sacrifices. Non, non, non. Fais quelque chose que Allah aime. Il va passer par les gens. Il ne faut pas faire des choses que les gens vont faire, ils vont t'aimer quoi. Non, c'est lui qui va passer par les gens. Il va passer par des méthodes pour valider ton pouvoir, pour dire que lui, il m'a mis en avant. Moi, c'est quoi ma force? Moi, je n'ai pas de visibilité, hein. Non, je ne cherche même pas. Je ne suis ni influenceuse, ni blogueuse. J'ai mon programme, j'ai mon problème. Je l'ai dit ici, fatiguée. Et mon programme, là, quiconque vient au pouvoir, ça ne va pas empêcher sa vie. Moi, je vais faire mon affaire. Ça, c'est clair. J'ai vu là où je gagne, là. C'est ici. C'est avec Allah que je gagne. C'est avec Allah que je peux dire. Je dis, Inch'Allah, je me lève la nuit. Je lui dis, Allah, si je suis avec toi, fais en sorte qu'il y ait ça. Et il le fait. Tout le monde le sait. Mais j'ai fait des sacrifices. J'ai coupé mes ongles, j'ai arrêté les produits éclaircissants, j'ai arrêté les faux cheveux, je me couvre. Maintenant, vous pouvez recruter toutes les femmes du monde. Toutes. Si on n'a pas la puissance de mon âme et de ma foi, mon frère, ça passera pas, Inch'Allah. C'est ça la spiritualité. Les gens qui se sont battus pour que vous veniez au pouvoir, les Fonikè Menguè et autres, et les menteuses comme moi là, peut-être il y a quelqu'un parmi nous. Allah se le sait. Moi, je ne sais pas. Mais si eux, ils sont écartés, toi, tu vas pas. C'est comme quand quelqu'un t'ouvre la porte, tu rentres. Tu rentres, toi, tu lui fermes la porte. Toi, tu fermes la porte, tu appelles d'autres personnes. Mais celui qui a ouvert la porte, il a la clé. Ou bien il y a le double de la clé. Tu sais ça? Tu ne le sais pas. Donc, l'affaire de Toumba, là, ça doit servir de leçon. Ce côté spirituel, ce côté religieux, à vous qui êtes là aujourd'hui. Ça fait combien d'années? Plus de 10 ans. Les gens attendent ce procès-là, plus de 10 ans. Ça s'est fait. sous Mamadi Doumbouya. Ou bien, toi, Mamadi Doumbouya, et ton CNRD, qu'est-ce que vous avez fait pour Allah? Toumba, lui, sans complexe. Oui, sans complexe. Il a parlé de l'islam sans complexe. Toi, un seul ou deux décrets, je l'ai dit encore ici. C'est-à-dire, quand Allah veut humilier une personne, il n'y a pas de médicament. Je dis un peu de sunna, un peu, ou donner la possibilité aux gens de faire des sensibilisations islamiques dans les écoles. Je l'ai dit si oui ou non. Le président qui va intégrer ça, c'est toi qui dois le faire, Mamadi Doumbouya. Tu as vu la popularité de Toumba. Imagine-toi si toi tu faisais ça. Imagine-toi si toi, Mamadi Doumbouya, tu faisais des lois comme ça. Mon frère, Allah va faire en sorte que les Guinéens t'aiment. Allah va faire en sorte que les Guinéens sortent. Ce que tu n'imagines pas, sortent. Pour dire, non, on veut que tu restes. Oui, mais tu as fait quoi d'extraordinaire pour lui? Ce que les autres ont cherché 40 ans. Certains cherchent 10 ans. D'autres 15 ans. Toi, tu l'as eu en une journée. Et comment? Tu es là, tu joues. Tu t'amuses, organiser des concerts, des conneries. Les gens sont autour, ils racontent des bêtises. Ceux qui ne savent même pas comment tu es venu te voir. C'est-à-dire, ils ne savent même pas. Ils n'ont même pas dit à ce jour à Mina. Tu penses que ça va marcher? Ça ne peut pas marcher, mon frère. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Fais-vous, Inch'Allah. Fais-vous. Tant que tu ne fais pas ce que Allah aime, wallahi mon frère, tu seras le plus impopulaire de l'histoire de la Guinée. Ça va descendre encore. L'affaire de l'islam que je dis aux hommes politiques, là, je l'ai dit ici, aux hommes politiques, qui parmi eux dit, ose dire Inch'Allah, ou bien Allah Akbar, c'est dire un truc islamique, qui le dit? Je savais que Toumba allait dire ça aujourd'hui. Hein? Les quelques personnes qui me regardent souvent, je savais que Toumba allait faire ça. Je ne savais pas, mais il l'a fait. Mais regardez les faits. Regardez les faits, vous-même regardez. Parce que tu as peur. Hein, c'est un pays laïque, c'est un pays laïque. C'est quelqu'un qui a voté pour toi. C'est un pays laïque. On a voté pour toi. Hein? Quelqu'un a voté pour toi. C'est Allah qui t'a donné ce pouvoir. Donne-lui quelque chose. Fais quelque chose pour lui. Tu verras ce qu'il va faire pour toi. Dans le cas contraire, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre, Inch'Allah. Ceux qui sont en train de profiter là-bas, ils vont pleurer. Quelqu'un d'autre va venir, ils vont aller là-bas encore. Parce que c'est comme ça. Ils s'en fichent. C'est leur intérêt qui les intéresse. Malheureusement. Pour toi. Donc c'est ça. Il faut savoir là où mettre ses pieds et voir les décisions qu'il faut prendre. Le monsieur là ne devait pas être parmi les autres là aujourd'hui. Non. Moi à votre place, il allait être bien traité. Astaghfirullah, qu'Allah me pardonne. Il aime le vin blanc. On va amener des tonneaux de vin blanc. Tout ce qu'il aime là, on va amener. Tu aimes champagne? Qu'Allah me pardonne. Astaghfirullah. On va tout amener. Tu seras à l'aise. Tu iras en cortège. Le jour que tu dois parler. Même si on te condamne derrière, et même s'il y a des manigances derrière, les gens ne vont pas voir ça. C'est pourquoi faire du pouvoir malingué, on dit que vous êtes dictateur. C'est ce que la dame vient d'écrire, que son orgueil. L'orgueil là, Allah n'aime pas les orgueilleux. Il n'aime pas ça. Fais où? Non, 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 non. Il n'aime pas ça. Il aime ceux qui se mettent en bas de lui. Surtout, vous, votre cas à vous. Vous n'avez même pas imaginé que les gens allaient applaudir le 5 septembre. Mais ils ont applaudi. Ils ont tous disparu aujourd'hui. Mais ceux qui ont produit le 5 septembre peuvent disparaître et être remplacés par d'autres encore. Parce que la Guinée, elle est grande. Mais vous, là, on vous fuit tous les jours. Pourquoi? Pourtant, on vous a fait appel. Ceux qui vous ont fait appel, ils sont où? Ils ont disparu comme par enchantement, comme par hasard. Donc, il faut vous asseoir et réfléchir. Même si tu n'es pas politique, tu dois réfléchir correctement. Ah, tu te rabaisses, ma soeur. Allah t'élève. tu t'assois, tu pleures, même toute ta grandeur là. Allah, comment je vais faire pour gouverner ce pays là? C'est toi qui m'as donné ce pouvoir, comment je fais? Mais tout ce que Allah n'aime pas, vous, vous êtes numéro 1 dedans. Vous faites appel à des gens qui ont fait tomber Alpha Condé, qui ont fait tomber Lansana Condé. Mais s'ils étaient forts, pourquoi ceux-là ont fini comme ils ont fini? Hein? C'est-à-dire, on dirait des fous. C'est ça que les gens me disent souvent, mais eux là, ils prennent leur décision là où? On dirait des malades. Il faut arrêter ça. Non, c'est pas bon. Ça ne peut pas marcher comme ça. Hey, ça ne peut pas faire où? Ne vous posez même pas de questions. Les actes que vous posez là, ça ne peut pas. Elle a pouvoir vite en mettre à moi mal à faire mes filles. Hein? Ils ont nommé aucun arabophone. Aucun. Toumba s'arrête. Il dit quelques sourates. Voilà Toumba. Toumba est en haut. Il faut même dire merci à Toumba. Grâce à ça. Mamadi Doumbouya est tranquille ces jours-ci là. On dirait qu'il est tranquille quoi. C'est ça que quelqu'un m'a dit. Ah, grâce à tout, Mamadi Doumbouya est tranquille ces jours-ci là. Parce qu'il a dit tout ça. Malgré ce qu'il est. Malgré ce qu'il est. Ah, Toumba est criminel, Toumba est ci, Toumba est ça. L'islam, la force que l'islam peut donner, si les hommes d'État et les hommes politiques savaient ça. C'est-à-dire, les pays là de devenir des royaumes. Parce qu'Allah va te figer là-bas. Ceux qui veulent même que tu quittes eux-mêmes, je vais vous expliquer la spiritualité. Comme vous ne comprenez pas là. Par exemple, quand les produits éclaircissants sont interdits, la vente, les faux cheveux, la vente en Guinée, c'est interdit. Parce que nous sommes des panafricanistes. Nos panafricanistes sont venus en Guinée là-bas. Est-ce qu'ils ont parlé des cheveux des têtes? C'est-à-dire, pourquoi l'Africain est comédien? Nous sommes en comédie devant votre main. Vous pensez que quelqu'un va vous respecter dans ça? Ils ne vont pas vous respecter. Moi, je parle parce que les vidéos, là, c'est des pièces à conviction. Demain, vous voyez, l'affaire de Toumba est venue, non? Si je ne parlais pas de ça, comme ça, comme ça, comme ça, aujourd'hui, j'allais dire quoi? Mais je le dis. Ceux qui se sont rappelés de ça, ils m'ont tous... Plusieurs m'ont contacté. Plusieurs m'ont contacté pour me rappeler. C'est que si même je connais... Moi, je ne connais pas le monsieur, là. C'est vrai que j'ai souvent parlé de sa libération, c'est tout. Mais je ne le connais pas. Personnellement, non. C'est les âmes, ma chérie. Les âmes sont mal redirigées. Là où mon âme est là, leur âme n'est pas là-bas. Donc, ce que je dis là, ils ne peuvent pas entendre. Et puis, quand Allah veut te faire honte, ma soeur, il y a trop d'exemples. Si on rentre dans ça, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Je vais leur expliquer. Ceux qui vendent les produits éclaircissants et les cheveux, ils sont victimes. Ceux qui utilisent sont victimes. Toi, tu sauves leur âme. Leur âme là, qu'ils veuillent ou non, leur âme sera accrochée à toi, Mamadi Doumbouya. Leur âme te soutient. Quand moi je parle ici là, Facebook, c'est le domaine des chayatines. Le chiffre, les Nine Sentane, c'est leur territoire. Quand ils voient ça, ça les énerve. Mais mon âme est islamique, ça les terrorise. Quand je parle ici, une seule fille, elle se voile. Son âme à elle me suit inconsciemment. Là où mon âme est redirigée, là, ça soutient ça. Tout ce que je critique là, quand les gens la changent, une seule âme, ou deux, trois, quatre, cinq, ceux qui eux aussi vont changer. Ça, c'est autre chose. C'est islamique. Ça n'a rien à voir avec les bêtises là. Non. Leur âme se relie à mon âme. C'est des âmes pures. C'est ce qui donne la force à moi, à ma lutte. Contrairement aux faux chiffres, les chayatines gonflent les chiffres. Parce qu'il sait que celui qui parle veut du chiffre. Je l'ai expliqué ici, je ne sais pas combien de fois. Il faut que quelqu'un vienne au tribunal un jour, parle de ce phénomène pour qu'on dise, ah non, 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 la folle là, elle dit souvent ça. C'est ça la spiritualité. C'est comme quand, par exemple, pour la Constitution. Moi, j'ai défendu la Constitution. Supposons que je l'ai fait passer. Supposons, je n'ai pas dit que je l'ai fait passer. Supposons. Donc, grâce à moi, supposons, c'est une supposition, c'est spirituel. Damaro est devenu président de l'Assemblée. Supposons. Ok. Et tous ceux qui ont eu des postes après, dans ce temps-là, me doivent spirituellement. Je peux les descendre. Machallah. Je les descends. Propre et puis rien ne sort. C'est ça la spiritualité. C'est comme ça que ça se passe. C'est une question d'âme. La puissance des âmes et la redirection de l'âme. Une âme islamique, personne ne peut la terrasser. Masha'Allah. Personne ne peut terrasser une âme islamique. L'âme là, elle est avec Allah. Ce que cette âme là soutient, ça prend de la force. Parce que qu'est-ce que Allah fait? Cette personne là a son âme avec moi. Si cette personne a honte, ça fait tomber l'islam. Ça ne va pas attirer les gens. Ils vont dire, ah, elle est là avec Dieu, elle perd tout le temps. Elle est là avec Allah, elle perd tout le temps. Allah, ce n'est pas le chiffre qui regarde. C'est la redirection de l'âme des gens qui vous soutiennent. C'est pourquoi il y a des gens qui vont parler ici toute leur vie. Quand on est camp adverse, je vais les battre aller-retour dans tous les sens. Mashallah, c'est comme ça. C'est une question d'âme. Ce n'est pas une question de chiffres. Ce n'est pas une question que tu es marabout. Ce n'est pas une question de sacrifice. C'est l'âme qui donne la force. C'est l'âme qui fait tomber. Moi, j'ai des gens qui m'ont expliqué un truc. Et effectivement, avec preuve à l'appui, il y a des gens, toute personne qui soutient finissent en prison. Et avec preuve à l'appui, effectivement, c'est vrai. Mais ces gens-là vous soutiennent aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui redirige? Tu soutiens un homme politique, il est en prison. 2 hommes politiques, prison. 3 hommes politiques, prison. Qu'est-ce que ce genre de personne peut apporter à quelqu'un? Ça, c'est une âme qui est emprisonnée. Tu te relis à lui, tu vas en prison. Ce n'est pas des âmes libres, c'est des âmes de comédie qui n'apportent rien même à eux-mêmes. Donc, c'est pourquoi le truc que Toumba est en train de faire, ça fascine. C'est ce côté spirituel-là qui fascine. Il a tort, bah. Il a raison, bah. C'est pas ça. Et vous, vous accumulez les erreurs. Mais je me dis, mais ces gens-là, mais vous-même, vous sortez d'où? Comment quelqu'un peut accumuler des bêtises comme ça? Comment une personne peut accumuler des erreurs comme ça? Par exemple, mettre Dadis dans un groupe avec ces gens-là. Pourquoi? Le monsieur a pris la peine, il est venu. Il est coupable, il est victime, c'est pas là-bas qu'on est. Mais il a son humilité. Il a cette petite humilité-là. Il a été président. Et il est militaire. Comme vous. Comme vous qui êtes là, à peu près. Parce que moi, vos grades là, je ne comprends pas. Gendarme, je ne comprends pas tout ça. Mais c'est un homme qui a la tenue. Donc, il faut réfléchir correctement. Il faut se mettre à sa propre place et la place de son prochain. Se dire que ce que je fais là, si on me le fait, je ne vais pas apprécier. Et ce que je fais là, les gens regardent. Ce n'est pas tous les Guinéens qui sont bêtes. Ce que je vois là, il y a des gens qui voient ce que je vois. Il y a des gens qui voient mieux que moi. Il y a des gens aussi qui ne voient pas ce que je vois. Il y a des gens aussi qui leur vision est en dessous de ma vision. Mais il m'a supposé qu'il y a des gens qui voient plus que ce que je suis en train de voir. Ce qu'ils pensent de vous. Et c'est quoi leur capacité de frappe spirituelle? Vous ne le savez pas. Vous ne le savez. C'est une question, mais je le dis ici, c'est une question de spiritualité. Vous allez payer 10 000 communicants. C'est leur âme. Si leur âme est pourrie, vous serez décriés, vous serez impopulaire. On va vous détester dans tous les sens. Jusqu'à ce que tu t'asseyes pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tu as touché à ce qu'il ne faut pas toucher. Ce n'est pas tout le monde qui doit nous défendre. Ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer dans notre réseau. Non. Il y a des gens, même si... C'est-à-dire qu'ils ne vont rien t'apporter. S'il y a des âmes qui n'apportent rien, il y a des âmes qui n'ont rien à dire. Il y a des âmes, il faut qu'ils regardent les autres pour parler. Mais ça va t'apporter quoi? C'est une question d'âme, mes chers frères et sœurs. Donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est tout ça. C'est tout ce qui est enrichissant. Masha'Allah, Allah a fait que on a vécu cela, que moi, ce côté-là, je l'ai vécu. Ça rappelle un peu ce que je dis régulièrement. Et que ça va faire réfléchir. Vous avez dit, d'ici les prochaines élections, on saura. On saura avec qui traiter. On saura qui éviter, Inch'Allah. D'ici les prochaines élections. Je ne sais pas c'est quand. Hein? Parce que si votre impopularité continue, Mais quelqu'un va venir vous attraper. Hey, l'âme qui vous soutient, la CNRD, Mamadi Doumbouya, colonel, l'âme qui te soutient, je ne la connais pas, dit, spirituellement. Le jour que cette âme-là décide que tu vas quitter, wallah, mon frère, tu vas partir. Toi-même, tu vas penser à ma folie, là. Mais la folle, là, mais comme elle a su ça, c'est spirituel. Le jour que l'âme, là, je ne sais pas là où l'âme, là, est. Si c'est un enfant, si c'est une grande personne, si c'est un vieux, si c'est une vieille, si c'est un homme ou une femme, si c'est un Guinéen ou un Japonais ou un Chinois, quelque part dans le monde, il suffit qu'il s'asseye. La vitesse de sa pensée. Je veux que Mamadi Doumbouya chute. Mon frère, celui-même qui va t'attraper, va se dire, mais comment j'ai attrapé le monsieur là? Le jour que tu attrapes Alpha Condé, le 5 septembre, tu te sentais comment? Est-ce que la force que tu as sentie le 5 septembre, tu le ressens aujourd'hui? Non. Tu ne le ressens pas. C'est spirituel. Je t'ai dit. Arrêtez Kassory Fofana et tout ce que tu as arrêté, ce n'est pas ta force. Le 5 septembre, ce n'était pas ta force. Cherche-la. Peut-être que tu la trouveras. Inch'Allah. Asseyez-vous. Réfléchissez. Je l'ai déjà dit à des hommes politiques aujourd'hui. Il se passe ce qui se passe pour eux. Moi, je ne suis pas Allah. Je ne suis pas son envoyé. Je ne suis rien, je vous ai dit. Rien de tout ça. Mais je suis réaliste quand même. Et je suis sincère avec mon créateur, Mashallah. Ça, c'est très important. Très, très, très important de ce côté-là. Prenez vos cahiers, notez certaines choses. Et vous prenez les décisions. Essayez de faire plaisir à votre créateur. Moi, c'est ça mon problème. Sinon, quelqu'un qui critique produit éclairissant, qui va te regarder? Faux cheveux, qui va te regarder? Faux cils, c'est-à-dire tout ce qui est faux là. Moi, je ne suis pas fausse, je critique. Qui va me regarder? Vous pensez que je me soucie de ceux qui me regardent? Ils sont 25. Je ne me soucie pas de ça. Non. Je ne veux même pas qu'eux, là, ils m'aiment. Ça ne va rien m'apporter. Les gens qu'ils aiment, là, ça les apporte quoi? Ça fait des années qu'ils parlent ici. Même petit sujet, là, 10 ans. 53 ans. Pourquoi? À quoi bon? Parce que je connais le fonctionnement. Comment ça fonctionne? Ça aussi, c'est un savoir qui est utilisé ici. Ça, là, moi, je le connais. Mashallah. Par la grâce d'Allah, je sais ça. Donc, les patrons de Chayatine qui les servent là, quand tu dis Marie Sissoko, tous les Chayatines du monde, ils me connaissent. Ils vont dire non, on ne va pas là-bas. Wallahi, je suis sans interdit. L'islam, ce n'est pas la blague. Tu fais plaisir à Allah, il va te faire plaisir, fio. Tu le mets en avant, il te mettra en avant. Sincèrement, honnêtement, il le fera. C'est tout ce que Allah veut aujourd'hui. Qui va me mettre en avant pour que je montre à l'humanité la force de l'islam? Mais les musulmans ne le font pas. Comme ce que je fais là. Vous êtes en train de rire là. Vous êtes assis, vous riez. La dame, elle est folle. Et ce qu'Alpha Condé aussi disait. Qu'elle a l'air, il ne faut pas l'écouter, elle est folle. D'accord. Elle n'a même pas de visibilité. Ils sont partis recruter les visibles, les payer. Je dis, ah, ce que moi je t'ai dit de faire, tu n'as pas fait ou bien. On se retrouvera, Inch'Allah. Ils ont fait leur vote. Et, mon frère, après la constitution là, il faut présenter quelqu'un d'autre des fausses. Il faut que celle-là n'est même pas considérée. Qui regarde là? Il y a des gens même qui appelaient mon mari. Ta femme là même qui n'est pas considérée là, on la regarde même pas. J'ai dit à mon mari, il faut leur dire qu'ils vont pleurer ici. Inch'Allah. Le jour que je serai prête, ils vont pleurer jusqu'à tomber malade. La constitution, j'ai ma part dedans. Alpha Condé Camara. C'est spirituel. C'est simplement spirituel. Ça n'a rien de visibilité. Ça n'a rien de que tu es connu. Ça n'a rien que tu es beau ou que tu es belle. Comme ça. Et toutes les luttes du monde, c'est ce qui manque. Les gens vont se battre pour délinquance juvénile, grossesse non désirée. Et tant qu'ils n'associent pas le côté spirituel à la base islamique, ils vont parler 1100 ans. Ceux qui parlent 20 ans là. Vous me donnez les mêmes moyens, entre 3 et 5 ans. Moi, vous allez voir mes résultats. Parce que je vais le faire avec une base spirituelle islamique. Malgré que je n'ai pas mémorisé le Coran. C'est mon âme qui est musulmane. C'est ce qui intéresse Allah. Le reste là, ce n'est pas son problème. Donc, révisez votre comportement. C'est un conseil. Révisez votre comportement. Pensez à d'où vous venez. C'est pourquoi l'affaire de Fonikè Menguè là. J'ai dit de ne pas mettre Fonikè Menguè en prison. Il doit être mieux que ce qu'il est. Et lui aussi, je lui ai dit, l'Imania n'a qu'un nafa. Tu t'es battu pour qu'Alpha Condé parte. En te battant pour qu'Alpha Condé parte, tu dis, ah, moi je me bats pour qu'Alpha Condé parte. S'il part, je vais être ça. Ah, moi je ne connais pas la partie là. Tu t'es battu pour qu'il parte, il est parti. Maintenant, il y avait un autre business derrière pour que tu sois quelque chose. Ah, ça c'est autre chose. Maintenant, si le CNRD ou le colonel Mamadi Doumbouya a coupé ton contact, peu importe. Mon frère, reste tranquille. Toumba a dit quelque chose de ce genre, je crois. J'ai un peu oublié. Que quand on subit l'injustice, on se défend ou on doit se défendre. Maintenant, si on ne se défend pas, on laisse à Allah, ça a plus d'effet ou quelque chose de ce genre. C'est ce que je dis souvent. Quand on dit je laisse à Dieu, je laisse à Allah, t'as dit les gens ne comprennent pas. Quand c'est honnête et sincère, il va trouver. C'est-à-dire, ça va se régler. Il va régler ça pour toi. Si c'est sincère, que tu... Je vous ai dit ça ici, non? Je dis, moi, toutes mes connaissances. Quand ils me font quelque chose, je dis, ah ouais, je laisse à Allah. Ils vont dire qu'il faut que je retire le mot là. Moi, avant, je ne comprenais pas. Les gens m'ont dit que ça, c'est un truc très, très grave. Et que ça ne retarde même pas. Et ça ne retardait pas. Parce que quand je subis un truc, je dis que pour moi, là, je laisse Allah, il va juger. Moi, je n'ai pas de force. Ça ne retarde même pas. Ça ne retarde même pas. Là, tous les problèmes qu'on est là, mes frères et soeurs, wallahi, c'est l'affaire d'islam là. Ce n'est pas autre chose dit. Sinon, comment quelqu'un peut défendre un homme politique? Il finit en prison. 2 hommes politiques, il finit en prison. 3 hommes politiques, ils sont en prison. Si tu es fort, pourquoi ils sont partis en prison? 1, 2, 2, ok, d'accord. C'est leur destin. Mais pourquoi tu ne les sors pas de prison? C'est ta bouche qui défend nous. Ta bouche n'a qu'à les sortir de prison. Ou bien, c'est parce que l'âme est pourrie. C'est parce que l'âme est souillée. C'est parce que l'âme est sale. Quand une femme est sale, ton âme est sale, ton âme est pourrie, tu n'apportes rien à personne. Quand un homme est sale, ton âme est pourrie. Même si tu veux, tu fais tous les sacrifices du monde. Un bébé de 3 ans qui a son âme islamique va te désciencer. Tu ne vas même pas comprendre ce qui se passe. C'est ça qui se passe. C'est ça le problème. C'est à ça que nous sommes confrontés. Vos marabouts ne vous disent pas ça. C'est ça que je ne comprends pas dans l'affaire des maraboutages de Guinée là. Le marabout ne te dit pas de te lever toi-même pour prier pour... Toi, tu ne peux pas te lever pour prier pour toi-même. Le marabout va prier pour toi. Allah qui l'a créé. Toi qui t'as créé. Toi tu ne peux pas te lever. Toi on dit le mouet. Toi tu ne peux pas te lever. Tu pries pour toi-même. Mais tu peux te lever. Le pouvoir, si c'est vous, c'est pas vous. Qui c'est? C'est pas toi. Ceux qui sont autour de toi là-bas, c'est bon pour vous. Qui n'ont même participé à rien là, c'est bon pour eux. Et même ils ne peuvent pas se lever pour prier. Hein? Chacun se balade avec son cortège de marabout. La poisse comme pas possible. Vous êtes détestés. C'est incroyable comment vous êtes détestés. Même les vieux et les vieilles vous détestent. Pourquoi? Pourquoi? Alors asseyez-vous, vous réfléchissez. Inspirez-vous de Toumba. On n'a même pas besoin de vos sourates, de vos versets, de vos hadiths. On n'a pas besoin de ça. Retournez vers votre Créateur. Honnêtement, Allah, tu m'as donné ce pouvoir-là. Pourquoi? Amène-moi les bonnes personnes qui peuvent me guider. Amène-moi tes gens qui peuvent me guider. Moi, Mamadi Doumbouya et mon groupe. Sinon, mon frère, affaire de 5 septembre là. Et mes petites conneries que je viens de dire. un jour tu vas penser à ça. Pour dire la folle là. Sa folie là, ça a pris. Hein. C'est des banalités de rien du tout. C'est comme quand on dit à une femme que quand tu te voiles, honnêtement et sincèrement, ça te met au-dessus. Au-dessus des autres femmes. Elle m'a dit, oh, je vais me voiler. Je ne pourrais pas être directrice avec le voile. Je vais me voiler. Je ne peux pas être ministre avec le voile. Elle, c'est le côté là qu'elle voit. C'est ma perruque qui me donne l'accès à ça. C'est mon tissage qui me donne accès à ça. C'est, tu veux plaire aux humains. Les humains même qui ne savent même pas où aller. Les humains zéro qui ne savent même pas quoi faire. Mais une femme voilée, sincèrement. Mais Père Dessian, c'est un président de la République. C'est le ministre que toi tu parles. Toi tu veux être seulement ministre. Quelqu'un qui peut dessciencer les grands hommes du monde. Mais elle peut déstabiliser Macron. Avec seulement invocation. Toi, tu accroches à ta perruque parce que tu vas être ministre. Ou bien parce que tu vas être copine du ministre. Ambition limitée. Et ambition limitée, ragouffée. T'as dit, quand je regarde la Guinée, je dis, mais attends. Régulièrement, j'ai dit, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais dans ce pays-là? Comment je suis née ici? Comment j'ai été guinéenne? Vous savez ce que mon fils me dit? Il me dit, parce que Allah sait que tu peux apporter quelque chose. C'est pourquoi tu es née ici. J'ai dit, Wallah, c'est vrai, tu as raison. Parce que ce que moi, je vois là, c'est-à-dire, on dirait que leur cerveau est retourné. Quand tu te balades, qu'on a écrit un point A à un point B, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement d'actes à poser qui ne sont même pas chers, qui peuvent rendre un président populaire. Les mecs, ils ne voient même pas ça. Tellement ils sont bornés, tellement ils sont limités, tellement ils sont avec des gens souillés. Ou si c'est eux-mêmes qui sont souillés, je ne sais pas. À la pouvoir, fille, t'as m'a fait un kéré. Et t'as moussé, c'est là-bas à la baie. Et mon frère, il n'a sentiment. Il n'a pas peur sentiment. Ils m'ont fait un donc c'était vrai, oui. Machallah, c'est vrai. Fais plaisir à ton créateur. Prends l'exemple sur moi. C'est moi, ils sont 25. Mais même si 50 millions de personnes te regardent, celui que je défends là, avec mon cœur et mon âme, tu ne vas pas le faire tomber, Féo. Ça, c'est Allah qui m'a donné ça. Et puis, c'est gratuit. Oui, c'est comme ça qu'il fait les choses. Ce n'est pas le chiffre qui l'intéresse. Donc, c'est spirituel. Revenez vers votre créateur. Ce n'est pas compliqué. Il y a des choses qu'il aime. Il y a des choses qu'il n'aime pas. Ce qu'il n'aime pas là, vous arrêtez ça. Vous avez des problèmes avec les démocrates. 28 septembre est là. Vous avez des problèmes à gauche. Ce n'est pas CDAO ça aussi ça. Je vous avais dit non, CNRD. J'ai dit, moi, mes 3 ans ont commencé le 5 septembre. Voilà un an que vous êtes là. Il reste 24 mois. Vous vouliez bricoler 4 ans. Vous êtes revenus là-bas, non? Oui. Je vous ai dit, c'est sous condition. Vous savez ce qui me fait rire. Quand les gens me sous-estiment, ça me fait beaucoup rire. Parce que vous marchez dans ma main. Ma petite mère là qui n'est rien. Oui. Toi, Mamadi Doumbouya costaud là, grand là. Tu marches ici. Wallahi. C'est spirituel. Fais ce que Allah aime. Fais-lui plaisir. Tu vas voir. Amène un laps de temps. Tu vas te dire non. Oh, Mamadi, c'est moi encore ça qu'on aime. Oui, t'es. Et les bonnes personnes vont t'aimer. Tu vas approcher les bonnes personnes. Ton âme sera bien redirigée. Si ton âme attire les pourritures, mon frère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Wallah, toi-même, tu dois sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est l'âme qui attire. Moi, il y a des gens là. Je ne veux même pas qu'il me regarde. C'est-à-dire, quand il me regarde, ça m'inquiète. Parce que je dis non, non, non. Attirer ce genre de personne-là, il y a un problème. Oui. L'espèce que tu attires, la catégorie que tu attires, c'est quelque chose que tu fais que tu attires ça. Vous avez un lien. Et le lien là, c'est très très important. Je reviens, c'est ce que Toumba est en train de sortir. Certaines personnes ne comprennent pas. Ça ne veut pas dire qu'il a raison de... Demain, j'ai dit que... Moi, je n'ai pas dit ça. Je parle de son côté spirituel. S'il a donné le pouvoir au monsieur spirituellement, même s'il est entouré de toute la forêt et de toute la Guinée, Toumba seul peut l'enlever. Ça ne veut pas dire qu'il allait forcément l'enlever avec l'arme. Il aurait pu tirer sur sa jambe. J'en sais rien, moi. Mais si c'est spirituel, c'est lui seul qui peut l'enlever. Celui qui a aidé Mamadi Doumbouya à prendre ce pouvoir-là, qui qu'il soit, c'est lui qui peut l'enlever. Soit il le combat, il part, il déclenche un autre coup d'état. Oui, ça se déclenche, c'est spirituel. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, il arrête de le soutenir. C'est pareil. C'est à peu près pareil. Parce que quand quelqu'un te soutient, son âme est puissante, il bloque les âmes pourries là. Il ne s'approche même pas. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne rentrent même pas là où on donne le pouvoir. Ils ne rentrent même pas. C'est-à-dire, quand on dit même le pouvoir, ça Fourikaria. Et ils sont au Japon là-bas. Ils ne savent même pas où Fourikaria est. Comment ils vont même enlever quelqu'un ou mettre quelqu'un au pouvoir? Mais si celui qui a Fourikaria là-bas ou celui qui est là où on donne le pouvoir, il libère là. Moi, débrouillez-vous. Il libère. On vit, on t'attrape. Je l'ai dit ici. J'ai dit à Alpha Condé, il n'y avait même pas de plainte contre lui spirituellement. Donc, toute la lutte qu'il y avait 10 ans là, c'était fouillant. C'est spirituel. Si les francs-maçons, tu amènes ta plainte chez les francs-maçons. Ils vérifient ton âme. Celui qui porte plainte, toi, tu es de quel groupe? S'il est reptilien, tu amènes ta plainte chez les reptiliens. On vérifie ta plainte. Toi, tu es de quel groupe? S'il est Illuminati, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut amener les plaintes partout et c'est spirituel, à base islamique. Il faut que ton âme soit avec Allah. Il faut que ton âme serve à Allah. On va étudier les plaintes. Voir la direction de ton âme à toi qui te bat contre lui. Et puis, ils vont le libérer. Ah! Il y a une âme d'Allah qui est là. Nous, on te lâche. Ah! Il y a une âme d'Allah qui est là. On te lâche. Tout le monde te lâche. Maintenant, il faut chercher. Qui va l'attraper? C'est comme ça qu'on provoque les coups d'état. Spirituellement. Voilà. Maintenant, on va chercher aussi dans l'armée. Si tu as quelqu'un, tu prends son nom. Si Mamadi Doumbouya est dedans. Maintenant, tu peux faire des invocations pendant des années. Hein. Toi, tu veux, coûte que coûte, que ce soit Paul ou Pierre. Tandis que Mamadi Doumbouya est apte par rapport à beaucoup de choses. Parce que déjà, il est proche de lui. Un. De deux, c'est lui qui l'a fabriqué. De trois, il est de son ethnie. Ça évite un bain de sang. Les groupes regardent tous ces paramètres. Mais l'âme islamique est au-dessus. Hein? Parce qu'aujourd'hui, c'est Allah qui donne le pouvoir. Il peut ne pas te donner le pouvoir, mais il te laisse faire. C'est pas parce qu'il est d'accord avec toi. Hein. C'est pas parce qu'il est d'accord avec ton pouvoir, mais il te laisse faire. D'où la démocratie. Allah est dissocié du pouvoir aujourd'hui. Un truc qui n'est pas islamique, il est satanique. Parce que les pouvoirs ne sont pas islamiques aujourd'hui. Non. C'est une forme de satanisme masqué. Mais en tout cas, ce n'est pas islamique. Si tu fais les invocations pendant tout ce temps, tu demandes à Allah, tu ne cites pas Mamadi Doumbouya, ça bloque Mamadi Doumbouya. Ça va le bloquer. Parce que là, il est dans le même lot que les autres. Du moment que tu le fais rentrer dans l'invocation, ça lui ouvre la porte. Il va rentrer. C'est spirituel. Maintenant, si quelqu'un a fait ça, inconsciemment, ça peut être n'importe qui, ça peut être l'un d'entre vous. Ça peut être un Japonais, j'en sais rien moi. Il a besoin de cette personne pour gouverner. Mais le gros souci, toutes les personnes qui ont combattu Alpha Condé pensent que c'est eux. Fonikè Menguè pense que c'est lui. Koulounou pense que c'est lui. Ibrahim Diallo pense que c'est lui. Tous les partis politiques pensent que c'est eux. Mais Allah seul sait. Mais quoi qu'il en soit, je ne pense pas que cette personne soit avec lui. Non. Avec toutes les bêtises qu'il fait, non, je ne crois pas. Je ne crois pas, non. C'est triste ça. C'est très triste. Très triste. Je vous dis, les Guinéens sont nuls en spiritualité. Je l'ai dit souvent ici. Mais c'est comme si Toumba vous a frappé spirituellement là. Tout le monde est braqué sur lui. C'est spirituel. C'est pas compliqué. Les sourates qu'il dit là, si c'est sincère, un seul ange règle ça. Un seul ange. Ou un seul djinn. Quand tu appelles un seul djinn, quand un seul djinn musulman, vous savez combien de délégations il amène? Les djinns n'ont rien à faire. Combien de personnes viennent? Combien de personnes? Quand c'est les djinns là qui viennent rentrer dans vos corps. C'est les djinns musulmans, ils rentrent dans vos corps. Si c'est les chayatines, ils rentrent dans vos corps. Ils peuvent rentrer par les habits. Les djinns chayatines peuvent rentrer par les djinns déchirés, par le maquillage, par les faux cils, par les faux ongles, par les... Donc tout ça là, ça amène du monde. Un monde vide. Qui n'apporte rien. Qui ne te prend pas ici pour t'amener là-bas. C'est-à-dire support au fouillant. C'est dans ça que vous êtes. Et c'est pas bon. Ah, bon, si vous êtes à l'aise, tant mieux. Ou bien, c'est ça. Donc c'est spirituel, mes chers frères et sœurs. C'est ce qui fatigue l'humanité. Quand tu combats quelqu'un, politiquement, il faut qu'il y ait de la spiritualité. J'ai dit, ça c'est ma chanson, ça. Toutes les luttes que tu fais là, si tu ne fais pas de spiritualité à base islamique, c'est-à-dire, il n'y a même pas de lutte. C'est la comédie. Il n'y a pas de lutte. C'est pourquoi le... Mais regardez comment les choses... C'est répétitif. C'est répétitif. C'est pourquoi c'est répétitif. Parce que, officiellement, l'islam est écarté. Les gens le disent ouvertement. Ah, Dieu n'est pas dans la politique. Tu dis ça ouvertement. Vous ne voyez pas les gens avant qui critiquaient. Elle met les tableaux islamiques derrière elle. Si elle met les tableaux islamiques, je mets quoi? Qu'est-ce que je vais mettre? Ah! Et je mets quoi? Ah! Regardez-moi ça. Toi-même, tu critiques ça. Tu vas gagner comment? Tu vas gagner contre moi, comment? Mais c'est-à-dire, quelquefois je me dis, mais est-ce que le monde n'est pas rempli de fous? Ça peut pas... C'est-à-dire, un musulman, tu peux faire... Même c'est un pays laïque. Ah, il est dans le même Irak. C'est un pays laïque. C'est-à-dire, les femmes qui se couvrent, vous vous foutez d'elles. Celles qui sont nues, vous les mettez en avant. Mais ça, c'est quelle folie, ça? Ça, c'est quelle bêtise, ça. Hein? Celles qui sont pieuses, vous les mettez à terre. Comme elles se laissent faire. Oui. C'est parce qu'elles se laissent faire. Allahu Akbar. Allahu Mali. 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 Allahu Arrafan fi raba nagan nafan alama Allah subhanahu wa ta'ala ntamma Allah unga arrafan fi raba Colonel Mamadi Doumbouya, Allah t'aime fiou, il t'aime yats. C'est-à-dire, regardez la force de l'islam. Le monsieur là, rien que d'aller dans les mosquées, l'effet que ça faisait. Je me dis, il y a un problème mental. Wallahi, Toumba a passé un message très fort aux Guinéens. Très fort au monde. Même si on le condamne, ça là, vous allez vous rendre compte que Allah passe par n'importe qui pour faire passer certains messages et que toi-même tu réfléchisses à ça. Mais non. On voit des gens aujourd'hui qui étaient inconnus. Aujourd'hui, ils sont ministres. Ils n'ont même pas une seule publication sur Alpha Condé. Aujourd'hui, ils sont ministres. Aujourd'hui, ils partent là-bas sans audience. Ils ont fait quoi pour Allah qui les a fait ministres? Vos ministres là sont là-bas avec leurs perruques. Peut-être que quelqu'un est parti dire ami là quelque part. C'est ce que Toumba est en train de vous expliquer. C'est la partie là que vous devez prendre. C'est la partie là qui est intéressante pour notre avenir, pour notre demain, surtout les musulmans. Surtout les musulmans. Comment attirer les autres? Comment faire en sorte que les autres comprennent que c'est nous qui sommes sur la vérité? C'est ça le problème. C'est cette question qu'il faut se poser. C'est ma mère qui m'écrit. Bonne soirée, que Dieu te protège. C'est ce qu'elle vient de m'envoyer sur WhatsApp. Amina, Amina, qu'Allah te protège toi aussi. Elle a envoyé un sticker, je ne vois pas ce que c'est. La catholique qui voulait que sa fille soit une bonne musulmane. Aujourd'hui, elle dit que c'est trop dé, que j'exagère. J'ai dit oui, je vais exagérer. Et moi, il m'a seulement sauvé de la mort. Il n'a pas fait de moi présidente. Il n'a pas fait de moi chef de quartier. Mais si Allah fait de moi chef de quartier, mon quartier sera vide. Wallahi, Inch'Allah, il sera vide. Parce que je ne sais pas par quel moyen dit. Mais vous allez porter le voile. Vous allez porter vieux. Et Allah aime ça. Là, je vais lui dire, mon quartier est là. Ceux qui ne veulent pas le voile, fais où? Débarrasse-moi d'eux. Fais en sorte qu'ils portent l'eau. S'ils ne veulent pas faire, il faut me débarrasser d'eux. Les fesses dehors, là, ce n'est pas dans mon quartier. Mais, un chef de quartier guinéen, il va dire quoi? Il va dire que non. Les habitants de mon quartier vont me détester. Il ne va pas dire que Allah va l'aimer. Et c'est ça que Allah veut. Le fait qu'il va t'aimer là, que tu mettes ça devant, c'est ça qui t'importe. Quand il va t'aimer, il va faire en sorte que ton quartier soit voilé. Que les femmes là soient comme lui il veut. Parce que c'est ça que toi tu aimes. Mais nous on n'analyse pas comme ça. C'est comme Facebook là ici. Il faut que je mette ma musique. Il faut que je mette ma perruque. Il faut que je me maquille. Il faut que je mette... Je ne sais même pas qu'elles vont aux toilettes comme elles font. Il faut que je mette mon machin là. C'est-à-dire les trucs dans les yeux là. Chapeau là. Mais ton soutien, ça va apporter quoi à quelqu'un? Quoi? Avec tout ça, tu n'es même pas vrai. Quand ces garçons aussi, faut coiffure qui est gros ici là. Les Guinéens nous font pitié quoi. Ici la rasé, quelquefois casquette renversée. Ou bien tenue militaire. Non. Quand tu dépasses quelquefois, tu vois certaines vidéos, tu ralentis, tu dis, ah. Donc il y a des gens qui regardent des gens comme ça depuis des années. Et puis ça ne marche pas. Mais ils regardent quand même. Ah, Iblis. Et donc je suis forte. Allah m'a donné une petite force. C'est-à-dire, Allah m'a sauvé de toi, quoi. Moi, j'ai laissé tout ça. Pour être comme je suis là. Allah va me faire honte. Ah, autant fa. Adam va dire à Koulounou. Ah, ouais, madame. Abou Khadija. Ah bon? Mais où? Moi, je n'ai pas vu. Tu as écrit où? Et bon, je vais vous laisser. Quand tu ne comprends pas, tu vas dire elle est folle comme Toumba. Que Toumba est quoi et quoi bah. Ah, Toumba est devenu populaire. Et les gens ont pitié de lui. Les gens le soutiennent. Vous avez vu la vie? Comment les choses sont? Toumba là. Toumba beng beng beng. Eh, Allah Akbar. Allah n'en fatara bengia. Allah n'en ressort au Toumba d'Edaki. Avant finir. Vous les petits décrets. Copiez Kagame. Vous avez honte de ça. Ou bien je ne sais même pas quoi. Tu es noir comme charbon. Ta femme est blanche. Tu es panafricaniste. Tu ne peux pas interdire ça. Tu vas avoir 3-6 mois. Tu vas dire, mais attends, c'est ça seulement. Et tu vas faire autre chose encore. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vas te rapprocher d'Allah. Allah même sans que tu approches. Quand tu as trop d'ennemis, c'est Allah seul qui peut te sauver. Akere, ya waron fera ba. Ya rafam fera ba. N'ranna fama. Ce qu'il aime. La nuit, tu te lèves. Tu chasses tous les marabouts là. Tous des menteurs. Aucun d'eux ne sait comment tu es venu au pouvoir. En tout cas, tu n'as pas rencontré le marabout qui t'a aidé à venir au pouvoir. Le marabout qui t'a aidé à venir au pouvoir. Colonel Mamadi Doumbouya, s'il est dans ton réseau là-bas, oh, toi aussi, tu allais savoir. Non, on allait savoir. Tu n'allais pas arriver là où tu es. Mais le gars là est impopulaire. C'est incroyable ça. Comment on peut chuter comme ça? Enfin, bref. À bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah fasse. Que vous fassiez ce qu'il aime. CNRD. Vous vous imaginez quoi? Je suis désolée. Vous vous imaginez quoi? Toumba. Il a des exclamations là. Je dis, mais le monsieur là, il me fait trop rire quoi. Wallahi, wallahi. Et puis Toumba, il est toujours bien sapé. Qui le sape même? Qui le ravitaille? Ah ouais. Que ce soit CNRD ou qui que ce soit, tous les sacrifices que vous êtes en train de faire à travers le monde, commencez par la Guinée, qu'Allah détruise tout. Tous les sacrifices qui ne sont pas islamiques. Tout ce que vous êtes en train de faire en satanisme, qui que vous soyez, Allah n'a qu'à tout anéantir.